Et là donc c'est bon, c'était ok. Un, oh mon casque, tu vas pas tomber. Non. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Non. Un, deux, trois. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Skydiz et aujourd'hui je suis encore là avec vous. Face commentary, yeah baby. J'ai trouvé un putain de point de truc là pour avoir une super luminosité. C'est très simple. J'ai mis mon néon. Vous le voyez pas, mais j'ai un néon et à chaque fois il était sous ma commode pour qu'il m'éclaire quand je l'ai. Je me suis dit si je le bougeais de place pour vous, parce que dans celui de Smash Bros j'ai vu que ça faisait pas super non plus parce qu'il y avait ma vieille lumière là, donc c'est nul. Et là ça fait très bien, là vous me voyez très bien. Je suis très content, je m'aime au coussin comme vous le voyez et on se retrouve sur le jeu. Le jeu de l'amour! De l'amour, de la destinée! Alors, je regarde juste un truc pour voir si, est-ce que ça marche? Oui, ça capture. Oui, ça capture très bien. Donc, on y va, c'est parti, attention. Zoro. Et on est parti sur le jeu! Le jeu. Alors, vous aimez Nice for Speed Underground 1, vous aimez Nice for Speed Underground 2, vous aimez Nice for Speed Most Wanted, vous aimez Nice for Speed Carbon? Bienvenue à votre maison, The Crew. Sinon, si vous aimez les autres, Need for Speed, c'est même pas la peine. C'est pas pour vous, c'est pas un jeu pour vous. Mais là, voilà, il y a une histoire à la Mass Wanted. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi Mass Wanted? Il y a vraiment une histoire à la Mass Wanted. C'est vraiment ça, c'est fou. Un truc à Mass Wanted, c'est over the top, quoi. Fuck, c'est trop bien. Juste ça, c'est génial, voilà. En fait, l'histoire, mon frère s'est fait tuer devant mes yeux et on sait pas trop pourquoi. Je suis recruté par le FBI en fait pour trouver celui qui a tué mon frère. Mais ça, c'est génial, c'est une tuerie, juste ça. Après le jeu, si vous le comparez à Forza Horizon 2 niveau simulation, c'est pas de la simulation, c'est de l'arcade ce jeu. Donc si vous voulez de l'arcade, vous êtes bien ici. Si, ben, par contre, si vous voulez pas d'arcade, vous êtes pas très bien dans cette découverte. Mais ce jeu est génial. Il vous faut, par contre, à chaque fois, le live. Parce qu'il y a des gens qui parlent en live, je crois. Mais là, pour l'instant, je crois que j'ai pas encore débloqué le truc. J'ai fait quelques modifs sur la voiture, je vais vous montrer ça. On va faire une petite découverte à peu près de 30 minutes, comme d'habitude, hein, comme on se connaît et tout, là. Synchronisation, je suis désolé, hein, parce que, ben, je recharge le jeu pour une deuxième fois. Je vais juste, non, le néon, c'est bien, ok. Ça éclaire pas mal, par contre, le néon. Ça fait un peu mal aux yeux. Je reviens. Hop. C'est la première fois que je fais ce setup-là d'installation, c'est vrai que comme ça, est-ce que ça va être mieux pour moi? Je vais vous dire ça et vous, voilà, vous me voyez pratiquement comme d'hab. Ah, c'est beaucoup mieux pour moi. Ça éclaire beaucoup moins ma gueule en fait. On peut se faire de la playlist musicale, je trouvais ça, j'ai pas encore fait, vu qu'il y avait de l'Arctic Monkey, du Block Party, donc voilà, il y a des bons trucs, il y a des bons trucs, hein, voilà, c'est le jeu que j'attends le plus, et oui, c'est la dernière découverte de ce mois, et même du mois de décembre, chance, et après, on retourne, sur, Va à la position que je t'ai envoyée. Ok, on retourne sur le Let's Play d'abord de Dead Space, on va faire un épisode dessus, puis après, on va retourner sur, sur comment. Après on va retourner sur Final Fantasy XIII-2. Et en Face Commentary maintenant. Je ferai toutes mes vidéos, je pense en Face Commentary, je trouve que je vais devenir complètement accro à cette merde parce que je trouve ça trop bien. Donc du coup on doit aller c'est qui nous a parlé, bah, c'est celle du FBI qui nous a recruté pour savoir qui a tué notre frère. Et on doit aller à un point. Ouais ça zoome vraiment, c'est sûr, c'est génial, c'est vraiment très beau. Et on doit aller, voilà, juste là, hop, choisir, établir destination, oui. Donc, faut savoir pourquoi c'est un jeu que j'attends énormément, parce que c'est le papa de Test Drive qui l'a fait, les amis, de Test Drive. Test Drive, essaie de t'enfuir ou quoi? Non, mais je ça sais. Pas, ça. Voilà, j'arrive, Zoé. Zoé, voilà, c'est pas comme ça, fille du FBI. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est papa de Test Drive qui fait le jeu. Donc, comme c'est le papa de Test Drive, bah, c'est génial. On est sûr que c'est génial parce que bon, voilà, c'est très arcade. Alors, on peut changer j'avais dit que comment dire, c'était de l'arcade. Pour prouver que c'est de l'arcade, ça, c'est la maniabilité la plus merdique au monde. Déjà, on ne voit pas grand chose. Et ça tombe pas vraiment comparé à ce qu'on est habitué de voir dans les Forza Horizon. Regardez, c'est pas génial, hein. C'est moi qui adore ça. Là, j'ai pas du tout aimé, mais comme c'est un jeu arcade, Nice for Speed Underground 1, Mass Bandit, bah, moi, j'ai toujours joué comme ça. En mode, bah, tu vois ta voiture, quoi, de derrière. Et ça, j'ai adoré. Donc, c'est un jeu qui est très, 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 très conseillé pour les gens comme moi qui aiment ce type de jeu. Qui aiment, voilà, les trucs bien arcade. Oui, pour mon bonnet Pikachu, je le porterai à chaque fois. Ou plusieurs bonnets, je vais m'acheter 2-3 bonnets, là, Zelda et tout. Parce que j'aime bien, et puis j'aime bien avoir des bonnets maintenant, je porte souvent. Oui, soit je le porte devant les gens, mais j'en ai rien à branler. Il y en a, ils arrivent, ils s'habillent comme des mecs s'habillent comme des chiennes. Ouais, des mecs s'habillent comme des chiennes et des
Voilà, c'est mis comme des chiennes, des fois, pas tout le monde, hein. Mais il y en a, ah mon dieu. Ah, je suis sûr que vous en avez déjà vu, des leggings avec des gros culs dégueulasses, hein, avec tout qui ressort et tout. C'est bon, hein. Ah non, c'est pas bon. Ça va vous faire penser une sale, je comprends. Oui, voilà. Cop rapide, indisponible pour l'instant. D'accord, ok, bon, ça doit être ça de tout de la com. Donc j'ai un peu modifié ma 370Z parce que bon, on peut changer entre 4 voitures, on peut les essayer. Et j'ai pris celle-là. Alors je me suis dit, vous me passez une RX7, j'ai pas trouvé la marque. Non, même pas cette 370Z. Hein. Alors ça, c'est une voiture que t'as très longtemps dans les Need for Speed. Même si c'était la 350Z dans Dragon 1 et 2, parce que là, elle n'existait pas la 370Z. Mais j'ai pu monter une fois dans cette voiture en vrai et j'ai adoré. Donc bah, c'est Zoé qui est là et elle veut me montrer ce que je sais faire. Et bah écoutez. Nitro! Est-ce qu'on a un peu de nitro? C'est génial. Ça dépend après du type de voiture que t'as. Je connais le deal, mais soyons clairs. On s'occupe d'abord de Copper et ensuite de Shiv. Je viens me faire attraper. Moi, je t'aide pas à démanteler les Feigstein. Ce qui m'intéresse, ce sont les flics pourris et les meurtriers. C'est tout. Shiv doit finir en tôle. Si tu le tues, c'est toi qui le tues. Oui, en gros, on fait partie des 5 des 5-10, qui est le crew de notre grand frère qui est mort. Notre frère qui est mort, je sais pas si c'est grand frère ou. Mais, enfin, qui est mort, et on doit venger sa mort en fait. On doit retrouver qui doit commencer. On doit commencer le meurtrier, son meurtrier. Il a la moitié du FBI dans sa poche. Si je menais une enquête officielle, je serais tout de suite grillé. Mais si je peux surveiller les activités de Chip de l'intérieur, on les aura tous les deux. Et tu as le talent et la motivation. Ah merci, non mais tu sais, hein, le talent, l'énergie et tout. Ah, je joue depuis que je suis petit à Darkon 1, écoute, hein, j'ai fait plein de jeux de voiture. Oh, mais par contre, la Xbox 360 commence un peu à prendre la poussière. Parce que bah, du coup, j'ai énormément de jeux qui sont sortis sur Xbox One, aussi un peu sur 360, mais pas autant. Et là, bah, en ce moment, je suis que sur One et Wii U. Et la 360 commence un peu à se faire. Peut être un peu poussiéreuse. Bon, j'avais tout à chaque fois, mais bon, c'est une expression. Alors on va où maintenant? Je nous ai trouvé un QG. On a besoin d'un endroit. Ah, ton crew pourra bosser pour toi. Mon crew? Oui, ton crew. Un agent oui, efficace a besoin d'une équipe solide derrière. Par contre, on va peut-être y aller, hein. Ah, c'est là où on pourra créer notre crew. Alors j'ai un ami qui a le jeu dans une semaine. Donc j'ai hâte qu'il... Voilà, on peut un peu passer par partout, comme dans Midnight Club. Oh merde, elle va me battre. Non, elle va pas me battre. On peut avoir donc son crew, c'est avoir une équipe. En fait, c'est la base du jeu. Le jeu s'appelle Jeu Crew, donc ton groupe en fait, hein, le crew. Et il y a un ami qui va rejoindre le mec dans une semaine. Là, faudrait que je le crée. Là. Ça doit être là où on doit le créer. Mais ouais, c'est un super bon truc. Hop, les 5-10. Pièce gagnée. Voilà les écus, le retour des écus, mon dieu. Maintenant, on peut personnaliser sa voiture. Bah, comme dans, comment dire, comme dans l'initiative, avec les niveaux, voilà, c'est comme à l'ancienne. Les pare-chocs niveau 1, les pare-chocs niveau 2, le moteur niveau 2. Oh, j'ai chuté mon micro. Le niveau 2 du moteur. Ça, c'est génial. Fuck! J'ai plus vu ça depuis Mass Monted. Le bon Mass Monted, hein, pas Mass Monted 2012, là, ils ont même pas nommé deux parce qu'ils avaient honte de leur jeu, je comprends. Voilà, donc on va l'équiper, hein. Ah, ça c'est bien. Voilà, avec les culs on va vraiment plus vite. Hein. Dans Need for Speed, je me rappelle, ta voiture elle était ça, tu mets les culs. Oh voilà, je suis très content. Voilà, c'est le tout début du jeu. Hein. On est pas rendu. Je trouve que j'ai joué un peu avant, parce que j'avais envie de jouer un peu avant de vous montrer la vidéo quand même. Et j'en suis très content du jeu. Ok, c'est bon. Allez, entre. Je crois que tu vas adorer cet endroit. Il y a vraiment une ambiance underground dans les courses, dans la première course qu'on a fait surtout. Les gens sont autour, bon il y a des belles filles, c'est normal, c'est un peu le stéréotype des grosses voitures. Ouais c'est un gros stéréotype de merde, je sais pas pourquoi. Il y a vraiment une ambiance comme ça, comme dans les premiers Fast and Furious, j'ai regardé que les trois, donc voilà, parce que les autres ça m'a pas plu. Mais c'est comme ça quoi, c'est vraiment comme ça, donc moi j'aime beaucoup avec, voilà, avec les filles qui abaissent les drapeaux et hop on part, voilà, c'est ça le truc. Que ça te plaise ou non, on okay. Va rester ici un petit moment. Oh, j'ai pas... Voilà, j'ai pas vu ça. J'ai commencé à analyser les données. Le 5-10 Motor Club. C'est lui. Ça a commencé par des courses de rue illégales et en moins de 5 ans, c'est devenu un gang solide et organisé. Avec une filiale dans chaque région. Les voitures volées partent vers le sud-ouest. La contrebande remonte vers le nord-est. En fait, c'est pas compliqué. Les 5-10 font du trafic avec tout ce qui tient dans une bagnole. Voilà nos cibles. L'agent spécial Bill Coburn du FBI. Nous, on sait qu'il est pourri, mais il va falloir le prouver. Et Dennis Jefferson, alias Shiv.
À eux deux, ils ont transformé les Five Ten. Coburn s'occupe de trouver les contacts et tient les flics à l'écart. Et Shiv s'occupe du sale boulot. Les Five Ten se tatouent leur grade. Shiv est le roi, le V8. Le V8, le moteur V8. Ta mission est d'infiltrer le Five Ten Motor Club. Gagne ton tatouage et grimpe les échelons. Trouve les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Coburn et Shiv. Tu dois être parrainé par le chef d'une région pour obtenir ton premier tatouage. Gagne son respect sur le circuit local et progresse dans l'organisation pour atteindre Shiv. Je me suis installé là où tu peux gérer tes capacités et modifier tes voitures. Ok. Plus tu progresses, on a une putain de tête d'hipster, vous allez voir, regardez à côté, c'est... Voilà c'est, ton tableau de connexion. Il y en a chez tous les préparateurs et revendeurs. Le tableau te permet de gérer tes voitures et leurs specs. Leur spec, c'est leur... Il te donne également un accès rapide à tous les revendeurs. C'est leur spécialité, il y en a qui montent en côte et tout, il y en a qui vont vite. Quand ça va trop vite, ça tourne pas. L'atelier de ton QG te permet de monter les pièces achetées chez un préparateur et celles que tu as gagnées dans l'émission. Il est essentiel d'installer tes meilleures pièces pour améliorer les performances et le niveau de ta voiture. Tu peux aussi customiser ta voiture avec des peintures, des décalcos et des... Ah, faut que je mette des décalcos, voilà, la mission speed. J'ai tout mis sur ça. Donc voilà, c'est un super truc, donc on va faire ça avant. Alors l'atelier, d'accord, donc on a plusieurs trucs d'avant, on va faire l'atelier, hein, je vais vous faire un peu découvrir aussi. Donc il y a un truc qui est génial, c'est ça. Voilà, comme dans le thriller. Et voilà, ça j'ai trouvé ça, c'était génial, hein. C'est comme dans le thriller, donc moi j'adore. Ah, on peut la réparer aussi, d'accord. Elle est neuf. Je vais juste voir pour l'esthétique, voilà. Voilà, j'ai pas mis des stickers. Il n'y a aucun sticker disponible sur cette voiture. On peut personnaliser les plaques d'immatriculation, non? Ah non, on peut pas. Bon, bah pas grave. Je me suis dit, c'était comme dans Midnight Club, j'ai ce serait génial. Ah bah non, on peut pas mettre des stickers. Merde. Pas sur celle-là. Un intérieur. Donc ça sert un peu à rien. Bon, officiellement. Je pense que sur celle-là, on peut pas. C'est bizarre. Ah, c'est vrai, parce que j'ai un capot... parce que j'ai un capot, comment dire, en carbone. À tous les coups, c'est ça. Alors, regardez. Ça, c'est super bien fait. Si vous voulez voir à quoi ça, comment dire. Si vous dites, ouais, mais ici, on voit pas grand chose. Ouais, non, on sait pas trop si ça va, ouais. Si ça va avec. Bah, regardez, vous faites ça. Et hop, allez, ça va avec. C'est génial. Ah, non, je sais pourquoi il y en a pas. C'était, ouais, parce que, il y a pas de stickers parce que j'en ai pas acheté. Là, c'est où je suis. Là, c'est mon atelier. Je peux pas acheter des trucs. C'est là où je peux m'équiper des trucs que j'ai déjà acheté. Voilà, capacité. Salut Zoé. Une putain de tête booster, ça m'énerve. Améliore ton freinage, c'est... Ah, alors ça, Ah, voilà, c'est ça, oui, des capacités, parce qu'on voit à chaque niveau, en fait, parce qu'on a des niveaux, là, je suis niveau 2, à chaque niveau qu'on fait, qu'on a des points de capacité. Alors, par contre, il y a un truc un peu chiant dans le jeu de merde, dans le jeu GM, pardon, parce qu'en fait, ça m'énerve. Alors, quel est le point commun entre les jeux, c'est que des jeux Ubisoft, entre Far Cry, entre les jeux Far Cry, les jeux Assassin's Creed et le jeu The Crew? Je vous laisse 5 secondes. Eh ben, c'est simple, c'est... T'as soit des tourelles à synchroniser ou soit des monuments. Là c'est pareil, là tu veux trouver des réseaux pour agrandir ta map. Bah pas pour l'agrandir parce qu'on la voit, mais pour voir les chemins, les trucs à faire. Ça c'est, je trouve ça un peu chiant parce qu'Ubisoft nous la remet à chaque fois. Ça, je trouve ça un peu chiant, bon, ça pousse à l'exploration aussi, donc je comprends. Freinage extrême, réduction street, boost, the crew, augmente le boost cop, d'accord, bah, j'ai pas encore de crew, donc on va faire ça. Ouais, j'ai augmenté de capacité, est-ce que j'ai encore un... Non, j'ai plus de crew, ok, zéro. Ok. Voilà, Zoé Kid va nous aider. Veux-tu quitter le QG? Oui, donc ouais, c'est un peu comme dans Mass Monty, moi j'aime beaucoup, sauf que bah dans Mass Monty, t'es juste un gars qui s'est fait, pour sa course finale, qui s'est fait détourner sa voiture, il y avait une fuite de gaz, un truc comme ça. Pour te faire accepter, il faut que le leader local te coopte. Le chef de la région de Détroit s'appelle Troy. Joue son jeu et gagne sa confiance pour avoir ton tatouage. En gros, bats les autres comme dans Mass Monted et après t'arrives au boss. C'est complètement ça et moi j'adore. Si tu veux monter en grade rapidement, tu devras faire équipe avec d'autres Five Ten. Utilise la liste des joueurs pour localiser des membres proches et former des groupes. Alors. Ah, voilà, c'est comme ça. Ok Alex, tu es prêt? On y va. Allons gagner ce tatouage, la mission est sur ta carte. Ouah, y'a des gars, ils sont déjà niveau 18, c'est ça parce qu'ils ont eu la démo aussi, hein. Ah, génial, alors juste pour voir, on fait A, idée de pilote, carte du genre, invité dans le crew. D'accord, c'est comme ça qu'on fait, ok. Je vais éviter de... Si vous avez le jeu, bien sûr, on peut inviter le groupe. Si vous avez le jeu, bien sûr, je vous accepte dans mon crew. Hein. C'est un crew avec des potes qu'on va faire.
On est 2-3 déjà, je crois. Bon, ils ont pas encore le jeu. Mais du coup, moi, si vous êtes un abonné et vous me dites, ah bah tiens, Skelly, est-ce que tu peux venir et tout, bah écoute, bah moi je dirais, oui, mon petit Bobby, viens avec moi. Et viens dans mon crew. Donc, oui, il y aura pas de problème si vous voulez partir dans mon crew, faire partie de mon crew, il y a vraiment pas de problème. Bobstar, Woodsmell, voilà, là c'est vraiment les vrais gars, hein, parce que voilà, là on est sur internet, c'est bon. Voilà, il faut, parce que à chaque fois j'envoyais des comme ça, des petits trucs là. Une course de rue ce soir, oui. D'accord, ok. Attends, T3, c'est chez moi, quelqu'un va me reconnaître. Ça fait 5 ans, Alex. Oui, j'étais en prison 5 ans aussi. Personne ne te connaît, et si quelqu'un vérifie dans les fichiers. Ok, elle a pas fini sa phrase. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu quand mon frère s'est pris une balle, ils m'ont accusé du meurtre. Et du coup, j'ai pris 5 ans de prison ferme. Mais là, bon voilà, je suis libéré, mais ça fait 5 ans du coup. Donc oui, c'est vrai que c'est marrant. Même les voitures ont changé, du coup, c'est marrant. C'est ce qu'on évite avec des voitures qui sont. Pas anciennes, mais bah si anciennes, mais qui sont encore d'actualité, quoi. Ce que vous pouvez trouver sur les routes américaines. Américaine, bah quand vous êtes en Amérique, mais voilà, donc oui, bon, si vous voulez faire partie de mon crew, il n'y a aucun problème, vous pouvez m'envoyer un message sur la Xbox, bah voilà ce qu'ils disent, hein. Attends, je parle? 1, 2, ah oui, je parle, alors là tout le monde m'entend parler, donc à tous les coups, les gars qui étaient à côté de moi, ils sont arrêtés parce qu'ils m'entendaient parler, il y a une petite icône marquée Skydiz, là, niveau 2, à gauche, en haut du compteur, vous voyez, et là, dès que je parle, regarde, je vais arrêter de parler. Et voilà. Mon dieu, donc ils m'entendent parler. Ah, j'adore. Donc voilà, à tous les coups, si on envoie, ils vont me prendre pour un fou. Mais c'est pas grave. Je fais ça pour vous. Donc oui, si vous voulez faire partie de mon groupe. Ah, il n'y a pas de problème. Par contre, il va se dépêcher, ce TER de merde là. Ouais, c'est bon. Donc oui, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a aucun problème. Plus on est de fou, plus on rit pour moi. Je pense pas qu'il y ait de limite de crew en plus. Hein, donc voilà. Donc quand vous voulez. Je ne rejoindrai pas de crew à part le mien que j'aurais créé avec un ami. Et si vous voulez venir, écoutez, venez. Voilà. Je suis sur Xbox One. Attention, découverte Xbox One du jeu The Crew. J'ai oublié de vous montrer la boîte. Voilà, sorti sur Xbox One et PS4 et PC. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est parti. Ah, j'aime beaucoup le. Non, je veux pas faire de la coop. Je veux faire les solo pros. Après, on va essayer de la coop rapide. J'aime beaucoup, comment dire, le néon et tout. Ça fait vraiment très bien. Ça fait vraiment une bonne qualité. Je suis très content. Si tu vois qu'à chaque fois tu utilises le retour sur la route. D'accord, ok. Ouais, mais cette fois, il n'y a pas de comeback. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la vraie arcade. Dans les 60 secondes, à la fin, t'as 12 courses à faire. Je peux dire que tu te penses sur un tour, tu peux plus jamais rattraper. T'as pas de Y là. Tu recules. Ouais, c'est ça que je vous parlais. Regardez cette ambiance d'underground là. C'est ça. Voilà! Licence One Dark Round là, c'est ça qui est cool! Concentre-toi. Il faut que tu finisses premier. Ouais, t'inquiète. Tranquille. Après, on peut choisir le niveau, pas de difficulté, mais le niveau de maniement de la voiture. Au début, t'es en maniement max, alors il t'aide dans le max pour contrôler ta voiture. Il y a hardcore et il y a sport. Je me suis mis en sport. Parce que hardcore seront débiles en fait. Voilà. Donc, non, eux, ce ne sont pas des gars en live. On va essayer d'aller en live après, pour voir un peu, ça peut être marrant de jouer contre d'autres gens. Bon, on peut passer un peu partout. Oui, j'arrive, mais t'inquiète pas. Là, ça me rappelle vraiment des Mass Mounted, hein, franchement, les amis. Là, pour moi, c'est du Mass Mounted en Open the World Next Gen. Oh merde, disons qu'on devait vous aller me dire, ouais, mais c'est déjà Open the World. Waouh, 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 oui, gros, bien fait, hein, juste là. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais Mass Mounted, c'est Open the World et tout, tu connais rien, moi aussi je connais. Mais comment dire, c'est le premier Open the World Next Gen que j'aime énormément, celui-là. J'ai pas trop voyagé, mais j'aime beaucoup. Oh. Ah merde, merde. Désolé. Hop, voilà. Je suis trompé, j'ai fait X parce que j'ai l'habitude sur mes anciens jeux que X c'est la nitro. Et bah non, que le bouton X qui est placé à gauche de la manette Xbox, c'est le bouton carré, je crois, c'est le bouton carré sur les manettes de Sony. Et beaucoup de jeux, surtout les Fallout et tout. Non, pas Fallout, aujourd'hui, comment ça s'appelle? Les jeux de voiture un peu connes où tu te rentres dedans à chaque fois. À chaque fois, je mettais ça sur carré. Je trouvais ça plus sympa. Voilà, regarde, j'ai encore refait la même erreur, j'ai l'air d'un coup. Pour l'instant, les flics sont pas super menaçants, mais c'est pareil, il y a un ami, parce qu'il a testé la bêta, il est déjà. La bêta, tu pouvais être niveau 10. La bêta était ouverte samedi dimanche, mais j'avais trop de choses à faire. Et je m'étais inscrit 2 ou 3 mois avant pour avoir les bêtas fermées et jamais été appelé. Ça m'a fait chier. Mais j'aurais dû mettre aussi que j'avais une chaîne YouTube. Ah oui, les amis, si vous avez une chaîne YouTube et par exemple vous voulez
Ah mais c'est bon, j'ai réussi. Par exemple, vous voulez une bêta. Hein? Oula! Allez, serveur, oui, comme ça, j'entends. J'ai pas fini. Merde! Merde! Oh, fait chier! Oh là, par... voilà, c'est un jeu qui est sur internet, c'est marqué hein, dessus. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien. C'est marqué, ah, voilà, Internet Rookie. Voilà, c'est là, Internet Rookie. Et là, il y a, oh putain, ça va être horrible, les problèmes de serveur, comme ça, t'imagines. Ah, oh, putain, et ouais. Et je suis parti en solo, hein. Et le truc, c'est que je suis, merde, je suis parti en solo, et ça m'a bugué! Oh, fait chier! Bah, je suis désolé, hein, mes amis, ça arrive. Le chargement a l'air un peu de... Ah ouais, bah oui, c'est un jeu internet, bien sûr, j'aurais dû y penser qu'il y en ait des connexions comme ça. T'imagines, tu fais une... Ça, c'est un point super négatif du jeu. T'imagines, tu fais une course et tout, t'es à fond dans ton truc, ça vaut pour tout. Ça peut valoir, par exemple, si t'as un problème de connexion chez toi, ou tes parents t'ont oublié de dire qu'ils éteignent la Xbox pour initialiser un truc. Là, par contre, c'est chiant, parce que c'est une course et tu galères. Ah, t'es dans la merde! Ah, ça, par contre, mes amis, premier point négatif du jeu. Bon, voilà, on a vécu en live. J'étais assez chaud. Là, je suis pas content. Alors là, les amis, je suis pas content. Ah, merde! Ah, bah non, quoi! Bon, heureusement qu'il y avait un rapide, mais... Mais non, mais... Ah, ça, c'est chiant. Okay, Alex. Bah ouais, je suis prêt, mais j'étais prêt tout à l'heure aussi, quoi. Allons gagner ce tatouage. La mission est sur ta carte. Waouh. Ah, cop rapide. Ah bah tiens. Comment il n'y a pas de joueur dans ta session. Ah d'accord, faut des... Je pense que j'ai été déconnecté aussi, hein, du tout. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est un jeu que je jouerais sans solo, à part quand j'aurai mon coup. Mais Ah là, je suis déçu. Attends, Détroit, c'est chez moi. Quelqu'un va me reconnaître. Là, ouais. Là, ouais. Là, c'est chiant. Ouais. Imaginez ça sur Underground 1, pour ceux qui s'en rappellent dans Underground 1, il y a des courses à la fin, t'as genre 12-13 tours d'un grand circuit. T'imagines, il y a ça un moment, tu pètes un câble. Déjà que tu pètes un câble pour rien dans Underground parce que c'est tellement difficile. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Là, du coup, il y a un problème de serveur et là, on est en solo. Hein. Vous avez vu, là, il y a plus personne. Donc, bon, ça va, il y a comme une alternative comme quoi, bon, après, tu redébarques en solo. Bon, c'est un point négatif, mais qui s'est bonifié. Ça va. Ouais, c'est pas grave. Concentre-toi. Je suis passé à la scène. On me l'a déjà vu. Je suis désolé, mes petits amis. Hein. Fini premier, ou toute l'opération. Mais les erreurs du live, hein, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On fout des trucs et tout, on en a rien à foutre. Ok. Hop, on passe par là. Hop, bonjour monsieur. Par contre, les dégâts sont un peu, comment dire, c'est comme Burnout en fait. C'est un peu complètement con, c'est-à-dire tu te prends un mur, bah tu tèges à 90 000 km, mais au-dessus de la map. C'est un peu ça, j'exagère beaucoup, mais bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est comme en vrai, en fait. En vrai, tu te prends un truc, mais ta voiture éclate, toi, mais là, elle est rebondie, ta voiture, c'est ça, donc ça m'a fait énormément rire. C'est vraiment des trucs très drôles. Oui, non, bon, les petites erreurs live, mais au moins, voilà, ils disent, bon, il n'y a plus de session, il n'y a plus de session internet parce qu'il y a un problème avec la sortie du jeu à ce coup, hein, c'est temps que ça se fasse. Mais on vous met quand même en solo. C'est un jeu où t'as besoin d'internet, mais pas tellement. C'est un peu des mythos. Bon voilà, comme ça si vous n'avez pas internet, vous pouvez quand même. Ouais, mais si vous n'avez pas internet, vous pouvez pas jouer avec vos amis. Vous pourrez pas. Oula, non, je vais pas me faire attraper. Ah si quand même. Vous pourrez pas donc jouer avec moi. Si vous voulez jouer avec moi, c'est plus cool d'avoir internet, comme c'est sûr, vous pouvez pas. Et bien sûr, je vous prends en direct, vous m'envoyez un message quand même avant sur YouTube avec votre nom, votre gamer tag, que j'accepte pas n'importe qui. Ou ça, carrément, vous m'envoyez ça sur sur ma messagerie Xbox, hein, regardez, je m'appelle Skydiz, hein, sur Xbox, avec un S majuscule et un reste en minuscule, c'est... J'ai évité mettre TV, pour pas faire genre, ouais, vas-y, je fais une chaîne YouTube, parce que vous verrez les gens avec les HD, les TV derrière. Alors, des fois, c'est bien, mais si c'est pour se faire connaître, pour faire genre, voilà, à part quand t'es connu de base, c'est vrai qu'après, c'est pour mieux te reconnaître, mais je trouve ça un peu con, quoi, c'est... Voilà, donc j'ai un chef-point, donc voilà, c'est là où ça avait bugué, je crois, on va éviter que ça... Oui, c'est là, parce que j'ai appuyé sur X comme une merde, voilà, je fais la même erreur, en plus, hein. J'ai pas appuyé sur X, mais je me cogne comme une merde. En plus, c'est l'arrivée, en plus, Oh, voilà, là, c'est le course facile, hein. De toute façon, je ferai pas mal de vidéos, je pense, sur ce jeu, c'est un peu le Mass Monty deuxième génération.
Voilà, c'est ça, le Need for Speed deuxième génération. Et là, waouh, c'est je trouve que c'est une patate, quoi. J'essaie de compresser ma voiture. Alors, kit d'admission. Ah, GG à moi. Donc, j'équipe, c'est parti. Ce qui est bien, maintenant, on peut équiper. Hein. C'est comme dans Mass Monty deuxième du nombre. On va pas appeler comme ça, on va l'appeler Mass Monty 2012, qui est juste une merde, hein. C'est de la merde. Hein. Voilà, mais je peux pas personnaliser tes voitures et c'est nul. Donc, c'est pas mal. C'est quand même un jeu qui est. Bon, si je veux le noter, ce Mass Monty 2012, je mets un 12 pour 2012. Là. Je te connais ? Tu devrais. Moi, c'est Troy. Et je suis le V2 ici. Tu veux ton tatouage ? Tu vas devoir bosser pour moi. Peut-être que je t'appellerai. Donc peut-être que... Oh, mais non, mais ça, c'est une histoire speed. Franchement, si on pouvait mettre... Bon, après, je pense que sur PC, vous pouvez, c'est sûr. Attends, je vais juste aller séparer. C'est ton ticket d'entrée dans les Five Ten. Regarde la carte et explore les pistes. Fais-toi un nom et monte dans l'organisation en gagnant des courses. Je sais quoi faire. C'est conduire et c'est pour ça que je t'ai choisi. Mais là, c'est autre chose. Chaque rencontre, chaque course gagnée, chaque kilomètre que tu fais me rapproche de Coburn et toi, du tueur de ton frère. C'est bien compris? Oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je réfléchis. On parlait de quoi? De l'Underground? Oui. Écoute-moi, j'ai un truc à te dire. J'ai une livraison pour un client spécial. On va y aller. Client spécial? On va filer un badge chez un juge ou quoi? Un truc dans le genre. Donc, oui. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que... Oui, le dernier sur Speed est nul. Pas le dernier, mais le sur Speed. Le dernier que j'ai joué récemment, c'était Mass Monty 2, il est nul. Bah, c'est de la merde. Quoi. C'est pas. C'est nul. Bah, c'est... Ah, mais alors ça, c'est génial. On peut conduire en slalomant. Alors, ça, alors, voilà, ça, c'est. Ah non, c'est la distance là. Chauffard signalé dans la zone. Attendons d'autres instructions. Ah, d'accord, non, c'est pas pareil. Parce qu'on peut avoir des petits défis. Bon, par contre, là, j'ai cru que c'était en slalomant, donc j'ai fait de la merde. Voilà, on peut avoir des petits défis de vitesse, trucs comme ça, en allant sur notre chemin, ça, je trouve ça génial. Quoi, tu... À toutes les unités, une poursuite à haute vitesse est en cours dans votre secteur. Contact visuel interrompu. Ah, on m'a repéré. Bien compris, à toutes les unités, attendez les instructions. Ouais. Oh, j'ai réussi à échapper au flip, pour ça. Alors, je sais pas s'il y a des systèmes de niveau, alors pas d'étoiles, hein, je parle de niveau à la Mass Monty premier du nom, de niveau de flic de 1 jusqu'à 5 ou jusqu'à 6, mais bon, tu commences à en chier à partir du niveau 3, si je me rappelle bien, donc voilà. Ah, bah, bon, ouais, du coup, c'est vrai que c'est A pour valider et pas X comme dans Forza. Alors, je crois que alors, on va voir si la COP, je crois qu'elle est un peu morte, top rapide. Voilà, ouais, c'est mort, voilà, donc on va juste voir comme ça. Voilà, y'a personne, c'est mort. Tu devrais gagner un peu plus d'expérience avant de tenter cette... Ah, pourquoi? Bah d'accord, bon. Bah oui, c'est vrai, y'a plein d'autres missions, c'est vrai, là, c'est juste le gros truc, mais y'a plein d'autres petits trucs, elle a raison. Et ça, c'est bien qu'ils te le disent, pour pas que tu... Voilà, là, y'a plein de petits trucs cool, voilà, coup de pouce... ouais, bon, on va aller faire ça. C'est parti, établir une destination. Ah d'accord, et le temps qu'on n'a pas le satellite de débloquer, on ne peut pas voyager rapidement. Alors pour repérer le, parce que vous dites bah il est où le satellite, on le repère grâce à un radar qui est dans le GPS, qui est plus c'est vert mieux c'est. Au début ça commence par rouge, orange et vert clignotant, très clignotant, vous y êtes, voilà, c'est comme ça qu'on les trouve en fait. Donc c'est assez cool à chercher aussi, bon c'est un peu chiant quand même. J'avouerais que le coup Ubisoft là, bon. Voilà, on a été déconnecté, mais je suis un peu déçu, je vais vous montrer les trucs en live et tout. De toute façon je pense qu'on fera plusieurs trucs, on fera sans doute un on roule avec Steve. Hey, j'ai un job pour toi. Y'a un malade qui se croit tout permis chez moi avec son gros truck. Donne lui une leçon. J'ai mis sa position sur ta carte. Donc voilà, ouais, c'est bien, il y a plusieurs trucs à chaque fois, donc ouais, ça me rappelle un peu le carbone, là, cette année sur site carbone, où il fallait voir d'autres gens pour leur raballer le caquet, en gros, tu bats ses sbires pour avoir le gros bec, quoi, et pour avoir sa notoriété. C'est ça, en fait, là, que ça me fait penser à ça, et j'aime beaucoup, donc, voilà. C'est beau. Le jeu, je trouve beau. C'est pas le meilleur truc au bout. C'est pas le truc le plus beau hein, des jeux de voiture sur Xbox One. C'est de loin, c'est pas le plus beau. Mais c'est très beau. Et par contre, le truc là que vous voyez au-dessus, c'est là où, comme vous le savez, c'est là où on va. C'est là où j'ai mis le point du radar. Et ça, je trouve ça génial. On n'est pas vraiment obligé. Bon, on n'est pas obligé de regarder sa map des fois. Parce que des fois, moi, je regarde ma map. Et hop, comme tout le monde, tu te prends une voiture dans la gueule et t'es pas trop content. Mais là, tu regardes la route et tu juste qu'à suivre un truc bleu assez discret. C'est bien.
C'est dans la zone d'atterrissage, dans la quoi d'atterrissage. What? Il y a un saut. Oh, génial, il y a un saut. Saute, motherfucker! Ah, d'accord, c'était de la merde. Vous avez vu les... Alors, je sais pas si vous avez vu les marquages au sol. Il y avait une sorte de cible à atteindre et puis j'ai fait rien du tout. Donc, Alors regardez, là ma voiture est pas faite du tout pour aller sur du tout terrain, mais il y a un site de voiture quand tu peux l'augmenter, parce que tu peux augmenter toutes tes voitures en tout terrain et en tout ce que tu veux. Ouais, elle galère bien, hein, mais après, je pense que quand j'avancerai dans le jeu, j'en aurai d'autres. On a utilisé un peu la nitro. Même avec la nitro en galère dans le champ, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est bon, on est sorti, on va sortir, c'est bon, on est sorti. Bonjour monsieur, bonjour madame. Hop, donc du coup on va se mettre en solo, voilà. Et une nouvelle manette de chez Microsoft, avec les petits joysticks là plus petits et qui vibrent bien, c'est vraiment pour mieux jouer aux jeux vidéo. Franchement, sur Halo c'est vraiment un truc fait pour, et sur les jeux de voiture c'est pareil. Ils ont vraiment bien étudié leur truc Microsoft, donc chapeau à vous, même bonnet Pikachu à vous. Oh, c'est une Porsche. Tu vois la cible? Ah, mais là, on va faire du tout-terrain, vous allez voir. Ouais, je le vois. Ah, c'est lui qui nous a parlé. D'accord. Donc, on va exploser. Donc, voilà, là, c'est la. Voilà, on peut customiser n'importe où, n'importe quoi. Regardez la Porsche en mode 4x4 surélevé, là. C'est parti. Finis-le, vite. Qu'est-ce qui presse? Les flics. Ce genre de job a tendance à attirer la. Ouais, d'accord, ok. Donc, il faut que je le rattrape et que je le neutralise. Donc, on n'a pas de flingue, hein, les gars. On n'est pas dans GTA, il faut juste foncer dessus. Ouais, mais je décroche, mais attends, le gars, il est fond, il est bon, lui. Attends. Waouh. Non. Ça fait un bail. N'aie pas peur d'y aller franco sur les boss et pousse là. Ok. Allez, cartonne secrète. Ah, c'est génial. Ah, je kiffe là. Ah, putain. Ah, pour moi, c'est mon jeu d'année de course. Hein. Le jeu de course, c'est mon jeu d'année. Si c'est enfin mon jeu d'année, toute catégorie chez Shin of Light. Donc voilà. Allez, on faut le rattraper là. Du coup, une bonne leçon. Allez. Oula, je pars un peu dans le décor. Mais tout va bien quand même, non, en fait. L'eau ne nous tue pas en même temps qu'on va pas loin. Reste 2 minutes, j'ai même pas encore touché. On se croyait dans le Sahara là, mes amis. Ça va être génial à faire ça entre potes avec ton crew. Ouais, y'a un avion qui. Oh, c'est trop réaliste. Oh, avec ton. Oh, mon dieu. Ça c'est réaliste par contre. Ouais, ça. Enculé, il m'a bait. Ah, j'ai pas vu, j'avais de la nitro. On aurait pu le rattraper, nous sommes trop cons. Bah, je suis, hein. C'est pas que vous regardez que vous êtes cons. Ah. L'erreur. Son erreur de fou. Ah, l'erreur. Ah, oui. Hein. Un des plus grands. Une chapelle. On va embêter le petit cul. Oh mon dieu. Ok, donc on perd vite beaucoup de. Ouais, faut que j'y arrive. Allez! Mais c'est qui va vite l'enculé? Ouais, il reste une minute, ouais, mais attends, et oh! Oh non! Je suis l'homme. Attends, est-ce qu'on peut recommencer? Voilà, on va recommencer. Alors là, j'aurais foncé dessus, j'aurais mis mad. Mais ça va bien. Je suis désolé, mes petits amis, parce que c'est la première fois que je conduis une speakerine. Au début, c'est ce qu'on conduit. Le speakerine, c'est ce qui va tout terrain, comme vous l'avez compris. Mais c'est facile, tu aimes juste les flics, et les flics sont. C'est des merdes. Eh bon, cette fois, j'ai de la nitro. On est bien d'accord. Bon, le temps que ça charge. Ouais, c'est parti. Bon, on est déjà reparti depuis longtemps. Mais... Ah, j'ai dit ma nitro un peu trop tôt, je suis un peu con. Attends, on va juste utiliser là. Ah là, c'est pas mal. Ah, c'est un peu mauvais, mais ça va. L'eau vous tue. Mais c'est bien, j'ai rattrapé avec. Allez, cartonne secrète. Oh putain, c'est marrant. T'as les courses là-dedans, ça doit être épique. Oh, en live, ça doit être du fail, hein. Je préviens. Il doit y avoir du fail et ceux qui maîtrisent. Hein. Moi je suis plutôt dans les gens qui fail pour l'instant, ce que je vois. Quand il fait pour bien le prendre, sans que. Oui, j'ai une Porsche et une Porsche elle tient pas vraiment la route, même en speakerine. Faut pas déconner non plus. C'est pas une route comparée à une Ford là qui est devant moi, je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça va.
Putain! Il faut qu'il repasse. Défoncez sa race, moi je vous dis. Je sais pas quand il passe par là. Ah, j'ai cru qu'il venait de mon côté, je serais yes. Allez, allez! Fils de pute! Non, on le colle, on le colle. Il va vite, attends, j'ai une Porsche, connard! Ah putain! On n'y arrivera jamais! Ah, c'est fou! Puis il y a 35 points de vie à ce que je vois, je crois. Bon, par contre, je suis désolé, mes petits amis, mais c'est très dur, hein! Waouh! Waouh! Dur! C'est pas, c'est du fail, on découvre et tout. Ah là là là, ça fail, hein, ça fail. C'est Skydiz, hein, c'est, j'aurais dû mettre ma bannière Skydiz TV fail. Ça aurait été génial. Bon, on va juste passer là. C'est parti. Finis-le, vite. Qu'est-ce qui presse? Les flics. Ce genre de job a tendance à attirer. Concentration maximum. On y va. On est bien, on est loin. Il y a une putain d'avance quand même le mec, hein, parce que moi je suis, c'est carrément comme si j'étais à l'arrêt. Oh mon dieu! Ah oui, non mais attends, comme ça à le rattraper, attention. On fait le shit, voilà. On est pas loin même. Ça fait un bail. N'aie pas peur d'y aller franco sur les boss et pousse-la à fond, elle peut encaisser. Allez, garde. Ah, j'ai pas touché, c'est une blague. Oh! Ah, mais moi aussi, bah j'ai vu. Là par contre, là on a touché, là touche à écouler. Ah, frangin! Celui-là, je l'ai senti d'ici! Oui, et comment ça tu l'as senti? Merde! Comment ça il l'a senti d'ici? Il est à côté de moi ou quoi? Tu vois, il me touche la cuisse pendant que je conduis. Oh, c'est dégueulasse! Le Yuan est dégueulasse. Bah, c'est peut-être la bonne là cette fois. Ok. Je sais qu'il tourne là, mais j'arrive pas à tourner là. C'est fou. Le laisse pas filer. T'es un vrai tueur, toi. Chope-le. T'as fait un Pikachu, mec. J'ai un Skydiz. Le failure et tout. Failure pro. Ah, ça fait du bien. Niveau 3. Bien. On a un putain d'hipster quand même, c'est trop moche. Bonus de freinage, ok, super. Oh ouais, il y avait un truc comme quoi on dirait qu'on avait un peu le choix. Pas le choix, mais c'est un peu aléatoire, c'est pas mal. C'est... La possibilité de loot. Là par contre c'est fait exprès, je pense, de continuer tout droit comme quoi on peut pas trop tourner. Mais vas-y, t'es un tueur, boum. Je garde la voiture ou pas, j'aime bien. Oh, comment je me garde dans ma voiture, tu sais. Ouais, je crois qu'il a bien reçu le message. Bon, voilà, à plus. Donc on est reparti. On va faire un dernier truc avant de se quitter. Est-ce qu'il y a un radar qui se met? Non, on doit pas être souvent. Attendez, il y a combien de membres qu'on peut avoir? Je viens de voir un truc là. Aïe! Je peux avoir un deux. Je peux avoir trois personnes, d'accord, ok. Client spécial? On va filer un bac chiche à un juge ou quoi? Un truc dans le genre. Donc, si je pourrais juste avoir une simple course pour finir, ça pourrait être bien. Défi vitesse ou des trucs comme ça, ça a l'air d'être ça. Défi slalom, non. Ah non, ça c'est juste les défis. J'aurais bien des courses, parce que ça c'est des défis. C'est ce qu'on faisait là quand on a sauté et tout comme ça. Tu obtiens réparation. Non, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Une petite découverte, voilà. On va quand même se laisser là.
On a fait quand même pas mal de trucs, même si ça a bugué, je suis désolé, ça arrive. Hein. Surveillance de la police. Oh, c'est des étoiles, d'accord, ok. Donc c'est pas pour un égo, c'est des étoiles. Il y a 3, 4, il y a 5. Bon bah, comme dans Mass Effect, tu m'en rappelles bien. Bref, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime. J'ai reçu des messages super sympas en ce moment d'abonnés qui aiment ce que je fais. Et je vous en remercie, ça fait vraiment du bien, surtout des fois après le travail et tout, qu'on est un peu fatigué là, vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc je vous en remercie énormément. Cette vidéo est terminée, mais l'aventure Skybiz continue. Continue avec vous, bien sûr. Merci. On fera beaucoup plus de vidéos face commentary. J'ai envie de tous les faire comme ça parce que je sais pas, j'aime bien. Ah, ça c'est génial. Par contre, ce que vous voyez là, quand on ne touche plus la voiture, hop, ça fait genre vue de fou et tout. J'adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on se retrouvera sur Dead States. Allez, bye tout le monde. C'était Skydis TV. La Skydis TV rend l'antenne. Allez, salut. La Skydis TV rend l'antenne. Bye.